sunlight fell in, reminded me that life can be so gracious. Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver, ça fait un peu plus d'une semaine. Déjà, avant de commencer, regardez. Oula. Alors, attendez. Regardez mon nouveau short de pyjama, on voit pas bien. J'aime trop, en fait, c'est des shorts de pyjama que j'adore. Et je savais pas que ça existait, format short. J'ai les mêmes longs pour l'hiver. Et là, en fait, les gars, je sais pas si on voit, c'est un short. Il est trop confortable, à carreaux bleu clair. Magnifique. Donc voilà, j'adore filmer des vidéos pour YouTube. Franchement, votre accueil, il est fou. Trop bienveillant, trop gentil. Mille merci vraiment pour votre accueil sur YouTube parce que je suis nouveau sur la plateforme et on est déjà 20 000. Donc en un mois, c'est fou. Ça commence à devenir un peu sérieux entre nous, quoi. On est déjà 20 000 ici. Waouh. Franchement merci. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, mais vraiment uniquement si le contenu vous plaît vraiment, si vous arrivez à la fin de la vidéo que ça vous a plu ou bien que vous avez vu les précédentes, abonnez-vous si ça vous plaît et que vous voulez être au courant quand je sortirai des nouvelles vidéos uniquement. Vous abonnez pas pour me faire plaisir ou pour mon joli minois, même si j'ai envie de dire que c'est quand même une raison, c'est pas la meilleure des raisons. Mais c'est une raison. Enfin bref, regardez, je me suis fait mon petit iced americano avec la machine filtre. Et là, d'habitude, je fais des lattés, vous avez vu. Mais là, genre, j'avais besoin de un boost d'énergie parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit pour commencer la journée. Du coup, comme d'habitude, on va passer la journée ensemble. Vous allez m'accompagner dans ma journée. J'adore dire vous allez m'accompagner. Ça fait comme si on était vraiment ensemble. J'adore dire ça. Donc vous allez m'accompagner pendant ma journée. Là, je vais faire ma skincare. Après, je vais me préparer et on va sortir parce que j'ai quelques petits achats à faire. Je vous montre en même temps la skincare du moment. En ce moment, j'utilise ce gel nettoyant qui est trop cool. C'est la marque Used to the People. Donc ça s'applique sur visage mouillé déjà. Par contre, ah, j'en ai mis dans les yeux. Il sent super bon. Je sais pas pourquoi j'ai voulu ouvrir les yeux en sentant. Je suis trop fou. Mais j'adore l'odeur. En fait, ça a l'odeur de propre et frais. En fait, c'est hyper frais. Vous voyez, c'est ça mon problème. Comme je voulais faire un beau plan filmant ma chambre et tout, j'ai dû aller jusqu'à ma salle de bain les yeux fermés pour rincer le nettoyant. Ensuite, je vais exfolier avec cette marque-là. Donc, la marque Dermalogica est trop cool. C'est le Daily Milk Foliant. C'est à base de poudre d'avoine. Et en fait, c'est un exfoliant en poudre. Trop bien. J'en mets cette quantité. Et ça se mélange avec un peu d'eau. Comme ça, et après on forme une pâte. Attendez, j'ai trop la flemme de retourner dans la salle de bain, donc je vais mettre de l'eau thermale. Comme ça. Là vraiment, je prends mon temps pour faire ma skincare, ça me fait du bien. Parce que j'ai trop mal dormi, comme je vous l'ai dit, et j'ai passé la semaine dernière un peu relou et fatigante. Je n'étais pas au top de ma forme. Et là aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. Pour aller un peu mieux dans ma tête aussi. Et là, en faisant ma skincare, j'ai vraiment l'impression de prendre un peu plus soin de moi, de nettoyer un peu mes problèmes en fait. Et ça me fait du bien en fait de prendre du temps comme ça. La prochaine étape dans ma skincare, c'est le sérum. Alors moi, j'utilise ce sérum de chez The Ordinary. C'est niacinamide et zinc. Ça fait des années que je l'utilise. Il est top. Genre, c'est mon sérum préféré chez The Ordinary. Et donc, ce que je dis tout à l'heure, c'est que ça allait pas de ouf. Donc aujourd'hui, je vais sortir pour m'acheter des petits cadeaux à moi-même. J'en ai besoin. Je vais m'offrir des choses. N'attendez pas que les gens vous achètent des cadeaux. Offrez-en vous. Offrez-vous-en. Ouais, voilà. Offrez-vous-en à vous-même. Ça fait toujours du bien. Et ça fait plaisir et ça remonte le moral. Moi, ça fait des mois que j'aimerais trop avoir un vinyle d'un artiste que j'adore. Donc, on va sortir et on va aller m'acheter ça comme ça. Ça va me changer un peu les idées. La dernière étape importante dans ma skincare, c'est l'hydratation.
Donc je vais utiliser cette crème là encore de Youth to the People. Elle est trop bien parce qu'elle est hyper légère. Et évidemment on n'oublie pas la crème solaire. Celle-ci est quasiment vide mais j'utilise cette gamme de chez Eucerin qui est trop bien. Il m'en reste quasiment plus. Là j'ai je déteste en fait appliquer crème hydratante et ensuite crème solaire, ça me stresse. Donc moi je mélange les deux, je sais que c'est pas bien. Faites pas comme moi. Faites partie par partie comme dirait l'autre. Mais voilà, moi je mélange les deux direct. C'est pas bien. Ne faites pas comme moi, je répète. Hop. Comme ça, au moins, ma peau est hydratée et elle est protégée des rayons UV. C'est hyper important de mettre de la crème solaire toute l'année. Je l'ai appris l'année dernière sur TikTok. Avant, j'en mettais jamais. Donc voilà, ma skincare est terminée. Là, j'aime plus trop l'ambiance de Paris parce que tous les Parisiens sont rentrés. Donc le calme du mois d'août, c'est terminé. On va essayer de passer par des rues et éviter un peu la foule. C'est parti. Je vais vous faire un unboxing de ce que j'ai acheté tout à l'heure. Donc ça c'est ce que j'ai pris chez Ace Mart, l'épicerie coréenne et japonaise. En fait il n'y a pas grand chose, il y a des sortes d'algues séchées comme ça. Je pense que ça va être des algues nori. J'ai pris la même chose mais en feuilles comme ça, c'est trop bon. J'ai pris les chips. En fait vous avez un peu vu, c'est ce que j'ai mis dans mon panier en fait. Et je suis passé dans ma boutique d'onigiri préférée. On fera la dégustation tout à l'heure. Mais si vous aimez bien les onigiri, vous voulez tester, allez dans cette boutique, c'est délicieux. Et ensuite, ça, c'est ce que j'ai pris dans la boutique de vinyle. Alors, je partais pas pour ces vinyles-là de base. Je voulais un album de Sufjan Stevens, mais il l'avait pas. Donc, je suis ressorti avec quand même 3 vinyles parce que finalement, j'étais content de les acheter quand même. J'ai pris les deux derniers albums de Cigarettes After Sex. J'adore. Je les écoute en boucle sur Spotify. Et ça, je me dis que c'est vraiment des beautés sonores à découvrir, à redécouvrir avec mon tourne-disque. Et j'ai pris l'album des Strokes. J'adore cet album. Et vous avez vu, la boutique de vinyle, elle est trop jolie, hein. Je connaissais pas, j'ai cherché sur internet boutique de vinyle et tout, je suis tombé sur ça, je suis allé voir. Au final, j'étais trop content d'acheter mes vinyles là-bas. C'est une boutique trop jolie, ils ont grave du choix et surtout ils sont trop sympas. Alors vous savez, moi, je suis pas mal angoissé quand je vais dans ce type de boutique-là parce que vous voyez, généralement les vendeurs et les vendeuses dans les boutiques de vinyle, etc., souvent c'est des métiers passion, donc c'est des gens qui sont passionnés de musique et qui travaillent là-bas, donc c'est des gens qui s'y connaissent beaucoup. Et moi, j'ai tout le temps l'impression que je suis pas à ma place là-bas quand j'y vais, quand je donne des noms d'artistes ou bien des noms d'albums, j'ai tout le temps l'impression qu'on va juger mes goûts musicaux ou avoir l'impression que c'est pas le style de musique que moi j'écoute ou que je l'écoute pas pour les bonnes raisons et tout ça, tu vois.
Enfin bref, ce genre de visite-là, je les overthink de ouf. Et pourtant, bah, ça s'est trop bien passé. La boutique est trop belle. J'étais trop content de passer du temps là-bas. Je suis resté au moins une demi-heure à chercher un peu partout. Et finalement, je suis allé demander aux vendeurs bah, les albums que je cherchais. Ils ont cherché avec moi aussi. C'était trop cool. Et non, il n'y a eu aucun jugement de toute façon. De toute façon, il n'y avait aucune matière à juger, évidemment. Mais c'est, vous savez comment je suis maintenant. J'overthink un peu tout. Et on a tout le temps l'impression de ne pas être à nos places quand on va dans des lieux voilà, d'initiés. Mais voilà, regardez cet album, il est trop joli. Je vais l'ouvrir. Franchement, ça c'est de l'art. Regardez, c'est dans une pochette en plastique et tout. Waouh. Mais c'est trop magnifique. Pas si on voit bien. Oh, trop trop heureux de m'être offert ce petit cadeau à moi-même, j'adore. Je suis grave enthousiaste là. Et regardez, franchement. Ah ouais, ça c'est vraiment de la qualité, hein. Je suis impressionné. On voit pas hyper bien, mais la couleur est magnifique. Et la matière aussi. Alors, je pense que je suis pas censé toucher les CD comme ça. Je suis pas un connaisseur. J'adore les belles choses comme ça. Je suis trop ému là. Parce que c'est vraiment un bel objet, quoi. Et j'aimerais bien ouvrir. Donc là, il y a c'est les deux derniers albums. Celui-ci, c'est une édition limitée. Mais quand je vous dis que tout à l'heure j'avais peur de me faire juger carrément, genre j'ai même pas dit les noms des albums et des artistes parce que je sais pas, j'avais l'impression, j'étais trop stressé, j'avais l'impression que j'allais mal les dire et tout, donc genre je demandais au vendeur et je lui montrais directement la photo de l'album sur mon téléphone en mode bonjour, j'aimerais ça s'il vous plaît. Parce que frère, avec le stress et tout, j'aurais trop pu mal prononcer le nom des albums, le nom des artistes, c'est pas des choses que j'entends souvent. Je les écoute beaucoup, mais j'entends pas le nom des artistes, donc ça se trouve, je prononce mal en vrai. Waouh! Regardez! Il est transparent. Non, ça c'est de l'art, ça. Ça, faut que ça aille dans les musées carrément. Faites-moi des musées. Waouh! Magnifique. Je regrette pas du tout mon achat. Les gars, vous voyez comment j'ai les yeux rouges là? Je viens de me réveiller d'une sieste, j'ai dormi une heure. J'étais trop fatigué. En fait, la nuit dernière, j'ai trop, 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 trop mal dormi. J'ai dû dormir genre 4 heures. Je viens de me réveiller. Enfin, ça fait 15 minutes que je me suis réveillé.
Savez quand j'arrive même pas à parler. Vous savez quand on se réveille d'une sieste et qu'on est dans un état second. Surtout qu'en plus là il est tard. Genre il est je fais une sieste vers 19h. Faire des siestes en fin de journée les gars, je le recommande vraiment à personne, c'est le pire truc qui puisse vous arriver parce que du coup vous n'allez pas réussir à dormir correctement la nuit d'après et au final vous êtes encore fatigué et vous allez devoir encore faire une sieste pendant la journée pour rattraper le sommeil de la veille. C'est un cercle infernal, donc évitez vraiment les gars, évitez de faire des siestes le soir. Du coup là moi je suis un peu déphasé là, je sais pas comment on peut dire, on peut dire déphasé. Je me suis réveillé, je savais même pas comment je m'appelais, je savais même pas quel jour on était, j'étais comme ça sur mon, j'ai dormi sur le canapé du salon, j'étais comme ça. J'avais oublié que j'avais acheté des vinyles aujourd'hui carrément. Et là, il y a un autre truc que j'avais oublié, c'est que j'ai foutu un bordel sur mon lit là. Il y a tous les vinyles que j'ai déballés tout à l'heure, la bouffe que j'ai déballée, des vêtements quand je cherchais une tenue ce matin. Avant de sortir, comment je me déteste maintenant, je déteste mon moi d'il y a 6 heures qui a foutu le zbeul. Parce que du coup, c'est mon moi de maintenant qui doit ranger. Et ça, j'aime pas. Whole night was to show you that our life could be like it was. You could move back home. We could be a family again. And what about Dad? Well, then, do you know that if that worked out, that'd be embarrassing. Use them against me. Les gars, je suis un peu plus réveillé. Voyez, c'est pour ça que je déteste filmer le soir parce que on voit pas, on ne se voit pas. Je suis grave ronchon. Oh là là, je suis désolé de crier comme ça. Mais regardez, je suis en train de voir ça. C'est une chill, c'est une canette au CBD. J'aime bien boire ça. Et je suis en train de regarder ma série de l'été, Newport Beach, Zia aussi. Et j'ai regardé ça tout, enfin pas tout l'été, mais genre tout le mois d'août. J'aime trop. C'est une série des années 2000 qui se passe en Californie, chez les riches. Je vais vous montrer une scène de rencontre dans l'épisode 1. Je vous jure, ça dure genre 10 secondes. Elle est trop cool la scène. Ça va peut-être vous donner envie de regarder la série aussi comme moi. Who are you? Whoever you want me to be. Okay. Hey, can I bum a cigarette? Bon, ça fait pas du tout 10 secondes, je vous ai vraiment menti, mais j'espère que vous êtes allé jusqu'au bout de l'extrait. Je trouve que l'extrait est trop cool. Beaucoup de silence, beaucoup de regards, ça se cherche, ça va se trouver sûrement. Je vous spoile pas. C'est grave ma série du moment. J'ai ma série du moment de l'automne, c'est Gilmore Girls, vous le savez déjà. Et ça, bah, c'est grave ma série du moment de maintenant, de l'été. Écoutez, j'étais trop content de passer cette petite journée encore avec vous. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez venir vous abonner aussi sur mon compte Insta ou bien mon compte TikTok. C'est @superlumos, pareil. Et voilà. Et si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter mon podcast qui s'appelle Iced Coffee Break with Superlumos. Donc, avec moi en fait. Et chaque épisode aborde une thématique différente. C'est vraiment un podcast d'introspection où je me pose pour réfléchir et décortiquer un peu mon quotidien et mes émotions de manière bienveillante vis-à-vis de moi-même. Et je donne aussi, du coup, bah, les petits conseils que j'ai pu récolter et les clés bah, pour essayer d'aller mieux et de guérir petit à petit. J'ai pas les clés de tout, mais en tout cas de ce que moi j'ai vécu et que j'ai pu résoudre.
eh ben je le partage volontiers avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter, c'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et c'est gratuit évidemment, et les liens sont dans ma bio si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous fais de très 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 gros bisous. Câlin de loin carrément, si je pouvais vous faire des câlins. Là, j'étais trop proche là. Oula, attendez, excusez-moi. Distance de sécurité. Voilà, si je voulais tous vous faire des gros câlins de loin, je vous ferai avec grand plaisir. Passez une très bonne fin d'été et une très bonne rentrée aussi. Bon courage à ceux qui rentrent de vacances et qui reprennent le taf. Et bon courage aussi à ceux qui n'ont pas eu de vacances et qui travaillent, qui ont travaillé dur tout l'été et qui enchaînent directement avec la rentrée. Et bon courage aussi à tous les étudiants et les étudiantes qui reprennent les cours bientôt. Des bisous encore et à bientôt.